Je vais vous lire l'histoire de Tam Tam et Nana. Allô, Tam Tam Bobo. Aïe. Tu m'as estropié. Au poil, tu seras mon premier client. Assistante. Pimpon, pimpon. On a une urgence. Vite, j'ai mal. C'est quoi ces cochonneries? Bah, c'est ton matériel. Masque opératoire, eau de vaisselle désinfectante, sécateur spécial amputation, tuyau de lavage d'estomac. J'ai même pensé au bandage. Tu te fiches de moi? Je suis secouriste, pas éboueur. Alors tant pis pour toi, je démissionne. Non, reste. Un bon secouriste travaille même avec du matériel pourri. Mon doigt, il va tomber. Fais voir, attention, hein. Mais il n'y a rien, même pas une écorchure. C'est de la rigolade, ça. Tu me fais perdre mon temps. Je vais me faire soigner par un vrai docteur, là. C'est ça. Ouille, ouille, mauviette. Maintenant, les filles, y a-t-il une courageuse parmi vous? Moi, félicitations. On dit que t'es noyée, Dac. Oh oui, j'adore. Allez, hop, dans l'ambulance. Brancardier par ici. Pimpon, pimpon. Je la trempe pour faire plus vrai. Arrête. Tais-toi et ferme les yeux, ok? Première étape, le bouche à bouche. Hein? Pas sur la bouche. Dans l'oreille, alors. Stop, tu me baves dessus. Zut. Assistante, vite mon manuel. J'étouffe. Ça va pas la tête. Je rentre à la maison. T'es qu'une brute. Bon, à qui le tour? À toi, Fatia. Pas question. Allez, allez, rien qu'un lavage d'estomac. Un petit pansement, alors. Non. Lâche, vous pouvez toujours courir pour que je m'occupe de vous. Même en cas de mort, il ne vous soignera pas. Pff, on s'est décarcassé pour rien. Il n'y a plus qu'à rentrer. Pimpon, pimpon. Ah, voilà notre petit secouriste. Il n'y a plus de secouriste. Personne ne veut se laisser soigner. Mais si, non, on veut bien. Moi, j'ai des chroniques. Berk. Mes corps aux pieds, ça te dirait minable. Moi, j'ai une belle verrue. Assez! Je veux des vrais blessés. Il lui faut les boyaux qui cèdent, des jambes coupées, des cerveaux qui explosent. Aidez-moi, vite! S'il vous plaît, du sang, du vrai? Le pauvre, il a tourné de l'œil. C'est ta faute, papa, mais je voulais juste vous faire goûter ma confiture.